Et on a un autre monstre à l'antenne là, tout de suite. C'est le Heavy Metal Cook, Gilles Lartigot, comment tu vas? Salut, salut. Je suis en très grande forme. Je suis un peu fatigué parce que là, je reviens de quelques jours avec le groupe Dagobah, ouais, qui est en tournée US là, avec Dieren Grey. Écoute, c'est un assassinat, quoi. Ils mettent le feu en première partie. J'ai rarement vu ça. Ils étaient à New York, à l'Irving Plaza, qui est une salle mythique. En plus, il y a une trentaine de fans de Dieren Grey qui les suivent sur toutes les dates. C'est un public à 80% féminin. Et Dagobah est en train de faire très, 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 très fort. Très fort. Tu sais, comme je suis attaché à ce groupe, mais je suis vraiment objectif parce que j'ai rarement vu un groupe en première partie qui mette autant le feu avec un public autant impliqué. Et puis les gars de Dieren Grey les poussent vraiment en avant. Ils ont vraiment sympathisé. Et puis c'est vraiment une belle surprise ici que Dagobah, avec cet album, arrive à faire cette tournée-là. Donc je suis un petit peu fatigué, voilà. D'accord, donc c'est cool. Donc t'es en train de dire qu'on a un petit peu notre deuxième Gojira qui est en train de naître là. Oui, exactement. Après, je pense qu'ils n'ont pas forcément le même parcours. Mais moi qui n'avais pas vu Dagobah depuis quelques temps, j'ai trouvé qu'il y avait une assurance et puis que Pierre a pris énormément de présence. Parce que, bon, je lui donne quelques conseils à distance, parce que je ne vis plus en France. Mais un gaillard qui arrive, qui met le pied à terre, qui pèse 91 kilos, qui rentre dans le lard dès le premier morceau, je t'assure que... Les petites japonaises qui étaient au premier rang, là, elles en ont pris plein la poire. Hein. Ok, ok. Bah, parfait, bah, c'est super, ça, c'est une bonne nouvelle pour Dagobah. Ouais. Gilles, bon. Donc on interview ce soir donc, pour parler de ton livre Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire aux éditions Winterfields, qui est une boîte d'édition québécoise, j'imagine. Canadienne, ouais. Canadienne, voilà. Et une édition indépendante, parce que l'indépendance, je vais vous en parler peut-être pendant cette entrevue, c'est quelque chose que je mets en avant, parce que lorsqu'on parle d'alimentation, il y a des lobbies et des conflits d'intérêts qui sont patents, donc il faut que les auditeurs sachent que je suis entièrement indépendant, que j'ai financé ça tout seul, que mon éditeur est indépendant lui aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les réseaux type la Fnac, etc. Il ne faut pas me demander le livre en librairie. On a pris le parti de l'envoyer directement chez le lecteur avec des frais de port offerts. Tu veux dire que la plupart des bouquins qui sortent dans des disons, éditions connues, etc., seraient victimes justement de ces lobbies alimentaires, etc. Connues, certainement. Après, il y a énormément d'éditions aussi d'éditeurs qui sont en librairie. Mais moi, après, là, je reprends un peu mon rôle de producteur que j'avais et que j'ai toujours, mais dans la musique. Voilà, lorsqu'un artiste, si tu veux, gagne à peu près 1 euro ou 1 dollar par disque, moi, ça ne me convient pas, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, tous ces intermédiaires. Et tout le monde mange, quoi. Qui c'est qui fournit le produit original? C'est l'artiste, c'est lui qui touche quasiment le moins. Faut pas déconner. Donc moi, je suis un auteur, j'ai pas envie qu'un livre, en plus, que je vends aujourd'hui 28 dollars ou 28 euros... On m'a demandé pourquoi le même prix. Ben, c'est vrai, ben, il y a l'expédition quand même. Il est fabriqué ici au Québec. Donc on paye l'expédition pour la France. C'est des coûts en plus. Donc on a gardé le même taux de change, entre guillemets. Mais tout ça pour dire que c'est... J'ai perdu le fil. Pourquoi choisir l'édition indépendante plutôt? Oui, que... voilà. Donc il y a des petits éditeurs qui sont dans des magasins et chez les libraires. Là, je parle des grosses maisons d'édition. Après... Il y a beaucoup de livres d'enquête, il y a beaucoup d'éditeurs indépendants qui sont eux en librairie mais sur des circuits parallèles où j'ai lu beaucoup de livres pendant mes enquêtes pendant ces 3 années et qui sont remarquablement faits. Mais tu t'aperçois que c'est pas ce dont parlent les magazines. Par exemple, tu vois les petits animateurs de chez Canal+, là, qui préfèrent inviter Jean-Michel Cohen pour débiter des conneries sur le végétalisme. C'est une émission qu'on m'a envoyée là tout à l'heure, ça m'a rendu fou. Donc ça moi, ça m'insupporte. Donc tout, en fait, il faut chercher, vous trouverez, mais cherchez sur des réseaux parallèles, ne cherchez pas l'information dans les grandes ondes, écoutez plutôt Radio Métal. Moi ici, je sais que c'est pas de censure, donc je vais pouvoir dire ce que je veux, plutôt que de regarder Jean-Pierre Pernaut, quoi. Mais justement, le fait d'avoir fait ce choix, est-ce que t'as pas peur de perdre en promotion, en fait, quelque part, justement, de finalement, est-ce que ça serait pas
mal pour toi que tu te retrouves justement sur un plateau de télé, etc. Et que du coup, à cause d'avoir fait le choix de cette indépendance, bah, du coup, t'as moins de chances de te retrouver dans ce genre de situation, en fait, où tu pourrais toucher beaucoup plus de personnes. Écoute, ça n'est pas ton ambition. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'était de faire un livre sans aucune pression, faire un constat qui est quand même assez dramatique et urgent. Il faut dire vraiment aux gens qu'on est en train de s'intoxiquer avec notre bouffe, que tous les cancers sont liés à l'alimentation. Donc, il y a une urgence pour faire ce discours. Donc, je suis d'accord avec toi. Je me ferme, si tu veux, peut-être une audience. Et si c'est le cas, ça veut bien dire ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire que notre information, elle est manipulée. Okay ? Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu vois, au Québec, je commence à avoir des entrées. J'ai commencé comme un premier band qui fournit un premier EP, un premier album. Hein. Je suis allé tourner en région, j'ai fait des conférences, j'ai fait des petites radios. Je commence à être présent sur le web, je commence à être présent sur des sites. C'est vrai qu'ils traitent du végétarisme, par exemple, qui sont plus ouverts à mon discours. J'ai une certaine audience et avec l'audience qu'on m'avait fournie aussi avec Radio Metal, avec Heavy Metal Cook, etc. et les émissions Heavy Metal Food, je me suis appuyé sur ce réseau, je dirais, de lecteurs et j'ai commencé ma promotion comme ça. Je suis vraiment satisfait à 100% des résultats, même au-delà de mes espérances, parce que j'ai réellement fait démarrer ce livre-là sans aucune promotion. Donc c'est uniquement par le réseau et ça a démarré très très fort. Voilà. Donc c'est possible, voilà, sans vouloir, si tu veux, se vendre entre guillemets ou censurer son discours, c'est encore possible de démarrer comme ça un nouveau livre ou un nouveau disque ou peu importe. Mais... Après, c'est ça aussi toute la force, tout simplement, d'utiliser Internet. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir, entre guillemets, du buzz, etc. Parce que c'est vrai que c'est un livre, comme tu dis, quand tu es indépendant, etc., où il y a des choses importantes et qui mériteraient, justement, de toucher le plus grand monde. Oui, mais regarde, écoute, j'ai mis sur mon mur, pour ceux qui sont amis ou amis des amis, sur mon mur Facebook, j'ai mis une émission là, qui est passée à la Canal+. Je l'ai vue tout à l'heure, ça m'a rendu fou. C'est une émission contre le végétalisme. Et il y a Jean-Michel Cohen qui dit des contre-vérités, mais des trucs énormes. C'est-à-dire ils ont dégoûté les gens de même s'intéresser au végétalisme. Je te dis ça, je ne suis pas du tout végétalien. Hein. Est-ce qu'un enfant en bonne santé a le droit d'être végétalien? Ben, je vais poser la question. C'est assez clair. Donner à manger végétalien pour un enfant, c'est être assuré de lui procurer des carences, qui sera totalement impossible de lui donner une quantité suffisante de calcium pour assurer la croissance de ses os, et en même temps, impossible de lui donner suffisamment de fer pour assurer la croissance du cerveau. Donc on aura un enfant petit et bête. Je te dis ça parce que je connais des gens qui vivent comme ça, je connais des gens qui élèvent leur enfant comme ça. Voilà, j'en connais un, vous le connaissez aussi, c'est Devin Townsend. Ok ? Ce gars-là, c'est pas un malade quand même. Ok ? C'est un mec, c'est un génie. Voilà, et puis il vit très bien, il mange lui pas de viande depuis qu'il est tout petit. Mais je sais, j'ai posé la question, son enfant il élève dans le végétarisme. Et quand on voit des gens comme ça, comme Cohen qui dit vous pouvez pas trouver le calcium en dehors du lait, putain, mais ça c'est le mensonge de l'industrie laitière quoi. Ne bouffez pas de lait, ne bouffez pas de yaourt, buvez pas de lait. Si vous en buvez trop, le calcium va partir de vos os. Le calcium, tu le trouves dans les végétaux. Il est fixé à 70%. Le calcium qu'on trouve chez les animaux, à 40%, il est fixé. Voilà, tout ça pourquoi ? Pour nous fourguer du lait, pour nous fourguer des yaourts. Pourquoi ? Parce que l'industrie laitière, c'est le premier secteur de l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français. Mec, c'est 400 000 emplois. Ces mecs-là, ils vont taper sur l'épaule là, du Premier ministre, là, ou de notre fiotte de président, là, et ils vont lui faire passer tout ce qu'ils veulent comme loi, etc. Tous les lobbies, si tu veux, et ça, je me suis aperçu dans le livre, ces gens-là, en fait, ont une influence majeure auprès de nos politiques, auprès de la réglementation. Et j'ai travaillé avec un cancérologue très réputé qui s'appelle Pierre-Marie Martin, dans le livre qui me dit clairement, Gilles, les industriels sont pas responsables de notre santé. Le problème de la santé humaine ne fait pas partie des obligations des industriels. Personne n'en parle de ça. C'est bourré. Les amis selon... laitiers sont vos meilleurs amis pour la vie. Mais c'est pas ça, j'aime pas les faux culs. Ils s'en branlent de notre santé. Ce qu'ils veulent, c'est faire du pognon.
Et quand on fait du pognon aujourd'hui en élevant des animaux dans des conditions qui sont immorales, inhumaines, tu vois, je me suis rendu dans les élevages industriels, je me suis rendu dans les abattoirs. Et ça, j'ai eu un refus direct. Du jour au lendemain, j'ai pu avaler quoi que ce soit qui provienne de l'animal. Donc, ça parce que je l'ai vu. Mais il y a peu de personnes qui peuvent voir ce que j'ai vu. Donc, j'ai essayé de le retranscrire au mieux dans le livre. Bon, la partie du lait et des animaux, c'est une chose. Mais il y a tous les produits industriels, tous les additifs. Quand tu vois comme l'aspartame a été mis sur le marché, mais c'est une enculerie la plus totale. Aujourd'hui, l'aspartame est un facteur carcinogène. Ça file le cancer. Ça augmente les chances d'avoir le cancer. Et tu sais bien aujourd'hui, l'aspartame, t'en trouves de partout. Ça fait gagner tellement de pognon aux industriels que la plupart des études qui nous disent que « Oh, l'aspartame, on ne sait pas, c'est pas très dangereux, à petite dose, tout ça. » Mais c'est que des gens qui sont payés par l'industrie. Parce que l'industrie, en fait, paye des chercheurs pour avoir ces autorisations pour de mise sur le marché. Et voilà, et mon père m'a toujours dit « Ne mords pas la main qui te nourrit. » Donc, c'est pour ça que je te parle des lobbies d'intérêts, que je te parle des conflits d'intérêts, des lobbies, de mon indépendance. C'est vraiment très important d'être indépendant pour faire passer des discours où tu dis certaines vérités, et je ne demande pas aux gens de me croire sur parole, mais ils peuvent très bien vérifier par eux-mêmes. Et là, tu trouves une mine d'informations, donc soit chez des éditeurs indépendants, des petites éditions que tu vas trouver sur Internet en vente directe comme mon livre, ou chez certains libraires, et puis trouver de l'information qui est disponible aussi dans les blogs, les forums, tout ça. Tu as une mine d'informations sur YouTube, tu as des conférences privées. Les gens, en fait, ont plus que cette possibilité de diffuser par le réseau. Donc, il faut aller chercher l'information là-dessus. Si je suis trop long dans mes réponses, vous me coupez, hein, parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous avertis.